Vas-y. Hello everybody! J'espère que vous allez bien! Pardon. On était obligés. C'est la 12e. J'ai bien la centième, mais non, mais. C'est pas la 12e, ça fait un an que la chaîne existe. Exactement. C'est trop bien, je suis trop heureuse d'être là. Dans ma propre maison. C'est moi qui suis trop heureuse d'être au centre Shinebox, là où toutes les Shinebox sont alimentées par des usines humaines. Hein, donc mes mains. Voilà. Mes mains et mon cerveau, voilà. C'est déjà pas mal. Des produits de qualité pendant un an. Oui, c'est vrai, de qualité. Créé, pensé, acheté. La totale. Oui, exactement. Et donc, je crois que tu as une Shinebox pour moi. Oui, j'ai totalement une Shinebox pour toi. La deuxième. Un énorme sac. Bon. Et ce qui va rentrer à l'écran, on s'en fout, c'est pour toi. Oh, trop bien, c'est la même. C'est pas encore ton anniversaire. Alors, on rappelle. Ah mais attends, ils ont tous été envoyés du coup avec un sac? Non, pas tous. Mais toi tu l'as cherché à domicile donc c'est normal. Alors on va le montrer parce que je me rappelle qu'il y a une Shinebox qui avait failli exploser du coup. Parce que avec les mastocs, mais là, c'est dans un sac parce qu'il y a, on attend qu'on voit la Shinebox, il y a déjà le personnage de, alors je viens de comprendre, je sais pas, c'est Yuya, je crois. C'est Yuya, exactement. Alors enfin Yuya c'est dans Fatal D, juste après, non encore après, vrai? Non. C'est ça. Oui c'est ça, on s'est écrit arrivé. C'est arrivé, bon voilà. Donc on a un peu sucré, voilà, le petit Yuya en tout. On avait eu Yugi du coup et maintenant on a Yuya. Du coup vous avez eu les deux peluches qui existent actuellement. Il n'y en a que deux. Voilà, il n'y en a que deux, il y a Yugi et Yuya. Donc voilà, je vous ai mis les deux bon, bah, c'est pour compléter la collection. En vrai c'est parfait que tu sois là parce que tu sais très bien que je suis en déconnerie, etc. Donc ça permet de... Voilà, comme ça je remets un peu les pendules à l'heure, au cas où il y a des erreurs. Du coup là l'objectif ça va être que moi je vais ouvrir, je vais dire une connerie et elle va me corriger. Non mais ça devrait faire, ça devrait faire, j'ai confiance en toi, ça devrait faire. Alors ça fait un bruit de, je sais pas si vous connaissez les bâtons de pluie qu'on avait quand on était gamin, les trucs en... T'as mis quoi? T'as mis des pâtes de pâtes de pluie. C'est pas grave, c'est pas grave. Je suis encore plus curieux du coup. Vas-y, allez, la petite musique de Zelda, ça s'ouvre un coffre. Ta-da-da. Vas-y, le gentleman, bienvenue dans l'univers du cirque. Ah bah oui, Yuya. Mais oui. Voilà. Code promo pendule jusqu'au 22 août. Voilà, voilà. Si voilà. Jamais. Laisse-toi transporter par Yuya et toute sa bande. Voilà. Ça affiche. Ça affiche le décor. Voilà, ça affiche un petit peu ce qui va se passer pour toi dans cette Shinebox. Ok, donc ça va être sur l'univers du cirque. Exactement. Ah, d'où les petites paillettes, ok déjà. Enfin, par contre, oh, j'en fous partout. C'est le but. C'est le but. Du coup, je suis content d'être chez toi. Ouais. Mais avec grand plaisir. C'est moi qui passerai le balai. Avec grand plaisir. Vas-y. Alors, le petit dragon blanc. Le bletine. Ouais, le petit chien. Hein. Il n'y a pas de soucis. Hein. Okay, on commence déjà à part Indexbox Dragon Shield. Donc, ça, donc, ce qu'on peut dire, une Indexbox de qualité. Mais elles sont pas mal celles-là, je les aime bien. Du coup, puis elle est rouge. Mais c'est du Dragon Shield en fait. C'est du Dragon Shield. C'est des produits Kali Dragon Shield, c'est quand même reconnu dans, dans le milieu du game. Un petit peu. Franchement. J'y vais à l'aveugle. Vas-y, je t'en fais. Alors, là je crois que j'ai un sticker Yuya du. Ah non, même pas. C'est des potes artistes. C'est les potes artistes avec notre cher confrère. Yuya. Et du coup, exactement. Est-ce qu'il est signé ce autocollant? Derrière. Derrière. Lola Cactus! Elle est là! Encore et toujours! Tatoué. Ouais, encore et toujours! Il y a un autocollant sur un autocollant! C'est un concept! C'est un concept! C'est pas mal! C'est un concept, mais ça marche bien! Du coup, c'est un double adhésif? Tu peux décoller là, toi? Ça? Oui, tu peux décoller! Non, mais je veux dire, si je décolle là, ça décolle, oui! Ouais, mais non, parce que non! Je vais pas Tu testeras plus tard! Mais oui, okay. Effectivement, ça marche! Après, bon, alors là, on a une. Attention, la rareté. Je vais tenter la rareté. Alors déjà, c'est Performapal Swordfish. Et c'est une mosaïque. Non, une Shutterfall. Oui, Shutterfall. Bravo. Merci ça, merci. Bravo. J'ai une Shutterfall, ça y est. Voilà, c'est le poisson épais. Voilà. Elle est vraiment, franchement, elle est vraiment belle. Elle est jouée très régulièrement. C'est mon premier Shutterfall. Oh, bravo. Je suis tout ému, tout émoustillé. Ravi. Alors, ah, mais oui, un booster étoile, normal, pack étoile. Bah, ça, ouais. C'est trop cool. Là, Battle Royale. Dessus, donc c'était logique. Que je regardez, c'est le même. C'est la logique. Suivons la logique. On a ensuite évolution des pendules. Ah, mais en plus, c'est des boosters que j'ai pas, j'ai pas envie de les ouvrir. Mais là, exceptionnellement, comme je suis avec toi, je les ouvre. Vraiment. Bon, ok. Après, j'en ai d'autres s'il faut, on s'arrangera. Mais j'en ai d'autres en plus. Mais ouais. Et une petite pack. Alors, c'est des trucs, c'est vos CG. Ouais, tout à fait. C'est pas des sur-sleeves, c'est des. Non, non, là, c'est les sleeves au CG. Et pourquoi, par contre, en CG, il y en a 100? Je sais pas. D'accord, c'est bon, leur demander. Faut leur demander. Mais en tout cas, ce qu'on kiffe,
bah, c'est qu'il y en a 100 et que du coup tu peux sleeve beaucoup de decks avec. Tu peux faire soit cool. deux decks de. Bah oui, parce que du coup deux decks de 40 et après t'en as toujours 20 pour un extra potentiellement et 5 pour ta petite collection perso. On dit pas non. Alors, je n'ai pas eu. Une petite. Ouais, une petite perlouse. Non, il n'y a pas eu, je sais, il n'y a pas eu. Non, il n'y a pas eu ce mois-ci, mais il a encore 12 mois. Parce qu'il y a un booster Yusei, du coup, je t'ai expliqué le 5D, c'est ça? Voilà, il y a un booster Duelist Pack de Yusei qui est caché tous les mois dans une chaîne box, donc il y a un euro gagnant tous les mois. Et ouais. ça, ce n'est pas toi. Non. je remets un peu le couteau, mais je suis désolée. J'ai même pas eu celle d'avant, petit en 3D que t'avais. Là, c'est un truc qui me rend un peu triste. Ouais, mais bon, ça reviendra peut-être. Lequel je dois ouvrir en premier? Écoute, pack étoile. Ok, il y a quoi dedans qui est bien, je veux. Alors, il y a une rareté, c'est la Starfoil qui est dedans. Il y a trois paquets de Starfoil. Oui, il y a vraiment une petite Starfoil dedans. Okay. Donc voilà. Et tu peux avoir des cartes à 4-5 euros en fonction de la Starfoil, parce qu'il y en a qui coûtent un petit peu, il y en a qui sont toutes pourries. Et il y en a qui sont bien, comme dans toutes les extensions. Donc on va voir ce que tu auras. Une Starfoil. Alors, attention, hop. Alors, Yosenju. Un petit Yosenju. Bon, c'est du pendule, voilà. Moi, oui, pendule, je sais, c'est vrai que je me suis dit, oh, on en a parlé tout à l'heure, ouais, le pendule. Mais, Deuxième, Gantley Kasam Samurai Supra Lourd. Ah, c'est du Supra Lourd, ok, ouais. D'accord. Très bien, très bien. Et ensuite, nous avons. Oh! Chimère, fourreur, et c'est une étoile collector machin. C'est une Starfoil. C'est la petite Starfoil, voilà, c'est les petites Starfoil. Ouais, bravo, je suis fière de toi. Du coup, c'est la Starfoil qui est rare, je peux non? Non. Oui, bah en fait, il y en a une à chaque fois. Il y en a une à chaque fois, c'est sûr. Oui. Mais il y en a qui le cotent un petit peu plus que d'autres, tu vois. Et fourreur, elle cote? Faut regarder. Par contre, là-dedans, il y en a qui cotent un petit peu. Il y a une carte bannie aussi. Oh, je l'ai éventré le pauvre. Ouais, un peu cher. Le pauvre. Mais c'est pas grave. Tant qu'il y a des trucs bien dedans. Attention, roulement de tambour. Tadam ! Miroir du dragon. Ouais. En rare. Ok. Ouais, c'est des super. C'est des super. Alors, des super pendules. Je crois que c'est sorti quand. Il y a quoi ? Il y a quoi ? 3-4 ans ? Ouais. Il me semble que c'est chargé, mais comment repris en fait ça avait. C'est quelques sorti. Années déjà. Stel Chevalier Zephagion, pendule. Oricalque Metalphose, il y avait déjà du Metalphose à l'époque. Oui. Pendule Grave du Temps, c'est une ultra. Elle cote. T'as chopé la piège qui cote, ouais. Ouais, donc voilà, c'est cool. Ça fait toujours plaisir. C'est craqué. Ouais, et elle magicienne, elle blanche. Pareil, c'est une ultra aussi. Oui, okay, oh, il y a deux ultras. Ultra. Ouais, il y a deux ultras par pack. Et du coup, bah, c'est du bling, quoi. C'est très joli. Exactement. Avec les Thank ultras. You everybody. Clairement. Non, là, clairement. Franchement, bah, voilà. Chaque fois, tu disais que j'ai de la chance. Mais c'est vrai qu'en fait, il n'y a que chez toi que j'ai de la chance. Du coup, c'est la raison pour laquelle il faut venir acheter sur Shenmue. En général, les gens, ils ont de la chance. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Les secrets que j'ai eu, c'est chez toi. Mm-hmm. Les ultras que je voulais séparer, c'est chez toi. Donc, ça fait résumé, deux boosters. Du coup, on a un booster pack étoile. Dans un thème. Un booster évolution des pendules. Parce que, bah, pareil, c'est. Parce que monsieur joue pendule, donc forcément, faut être logique. Une Deadbolt Dragon Shield, des sleeves et une peluche. Franchement. Et là, attends, c'est pas le sticker. Et le sticker. Et le code promo, n'oubliez pas. Et la petite carte toute mignonne. Alors, mignonne, c'est objectif. C'est parce que chez Shatterfoil que j'ai qu'elle est mignonne. C'est la rareté qui est mignonne. C'est vrai, c'est ça. Non, voilà. Ouais, franchement, Shatterfoil, j'en avais pas. Donc c'est et ben voilà, ça par contre. Collection. Oui, collection de rareté. Parce que. Carrément. Ouais, le sticker. Franchement, ouais, Lola. Lola. C'est la création d'artiste de ce mois-ci. C'est un truc de dingue. Mmh. C'est talent qu'elle a. J'aime bien parce que ça fait vraiment cartoon dans le style de dessin. Ouais, c'est son style à elle. C'est grave cool. Je les garde, je les colle même pas, je veux pas les habiller. Il y en a plein, il y en a plein qui les collent pas, ça du me coup, fait trop il y a pas mal de produits, attends, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 avec les deux boosters qu'on a habituellement. Et du coup, là, c'est le petit cadeau. Le petit cadeau bonus, la petite carte. Ouais, donc vous avez 6 items ce mois-ci, concrètement. Donc, voilà, encore une très bonne chaîne box. Ben, pour la deuxième, festif, le cirque. Voilà, et après, c'est mon personnage préféré et c'est ma série préférée du coup. Ouais. Je savais même pas. Du coup, bah, vu que c'est la dernière de cette année, du coup. J'ai fait mon petit kiff. Voilà, pour les 1 an, j'ai fait mon petit kiff. Ouais, j'avoue. Bah oui, je suis content. En plus, c'est thématique. J'ai vu que vous aviez les thématiques. Donc, je me suis dit, il y a eu Yugi, il y a eu le magicien sombre. Tant qu'à faire, autant. Je ne colle pas. Que fais-tu, toi? Que fais ce mec? Que fais ce mec? Non, mais du coup, ravi qu'elle t'ait plu et désolé pour les paillettes. Hein.
Ah non, mais ça c'est parfait, pas. Ça met de la, des paillettes dans ma vie. T'as dit le mot paillettes, je voulais pas faire un doublon, mais je me suis laissé une de paillettes, j'ai pas trouvé. Non, mais c'est très bien. En tout cas, merci à vous du coup d'avoir suivi cette version en compagnie du coup de la créatrice Sharon alias Chacha de Shenbox. Non, Chacha de Shenbox. C'est toujours Chacha de Shenbox. C'est Chacha de Shenbox ou Chacha pour les intimes. Voilà, Shenbox.fr. Est-ce que c'est toujours. Bah oui, je pense que oui. C'est toujours à l'arrière. Il est là, regarde. Ah, ah, tu l'as mis là-dessus maintenant. D'accord, www.shenbox.fr pour prendre votre Shenbox ou votre Shenbox bio. C'est même pas un placement de produit, hein. C'est juste, on a dit un fun. Coup et. Juste une fun, apéro et hop, voilà. Apéro et. Tu sais, ta Shenbox. Voilà. Au revoir, everybody. Ça n'a aucun sens. Mais c'est trop con, c'est ça. Voilà. Non, mais c'est génial.